Good morning, Alaïda, et ce sera aujourd'hui le lundi matin, vraiment de Rabbi Nitzring, de Fanny, de Vora, Batester, et René Avram, Ben Mandechai. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans le secrétaire de Mot Perek, Yud Gimel Mishnatet, Misha Yanasui, Lishtei, Tomot Ktanot, Vamet, Ba Yavam à la Rishona, Vechazar, ou Ba la Shnia, Osheba Achi, Va la Shnia, Lo Pasa la Tarishona. Vechen, Shtei, Chereshot. Ktana Vechereshet, Ba Yavam à la Ktana, Vechazar, ou Ba la Chereshet, Osheba Achi, Va la Chereshet, לא פסל את הקטנה. בא יבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה, או שבא אחיו על הקטנה, פסל את החרשת. משנה relativement facile, il y a juste un point à comprendre, et ce point-là, on va le revoir en donner trois prochaines Mishnayot, il va falloir bien expliquer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous rappeler des petites notions très simples. Lorsqu'il y a un frère, Reuven, qui était marié à deux femmes, et Rachel et Léa, et il décède. Maintenant, il a encore deux frères, il a Shimon et Lévi. Alors, on ne va pas dire à Shimon et à Lévi que chacun il prend une femme de son frère. Il y a juste un frère qui doit prendre une seule des femmes. Et si, dès qu'il y en a un qui va prendre une femme, si le deuxième, il va vouloir faire une deuxième fois la mise à zibou en prenant l'autre femme, ou lui partir prendre la première femme, ça change rien, eh bien, ce qui fait, ça ne marche pas avec le deuxième. Il reste marié avec la première, et la deuxième, c'était juste une birat znout, un accident de parcours, mais sans aucune conséquence. D'accord? Notion très simple. Ça, maintenant. Depuis quelques Mishnayot, maintenant, on a commencé à introduire les kiddushin, les mariages et midé rabbanan. Je rappelle très succinctement, les Chachamim ont instauré qu'une petite fille qui n'a plus de père, une yétoma, ou encore une sourde, ces deux filles-là, sont des femmes qu'on ne peut pas concrètement marier. Parce qu'elles-mêmes, c'est elles qui sont responsables d'elles-mêmes, mais elles n'ont pas de responsabilité, elles n'ont pas de yacht, elles ne sont pas encore développées. La petite, elle n'est pas encore mûre pour faire un kinyan. La sourde, on parle d'une sourde qui est de naissance, qui n'a pas eu de contact avec l'extérieur, elle n'a pas développé son intellect comme il faut, donc elle n'a pas cette yacht. Maintenant, si on laissait, comme on l'expliquait, si on laissait cette femme toute seule, des malencontreux bonhommes abuserait sûrement d'elle, donc du coup, Chachamim ont instauré qu'elles pourront se marier. Mais des rabbanan, comme ça, au moins, elles vont être protégées, et personne ne va les approcher. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a parlé. Maintenant, selon le même principe de la Torah, lorsque Reuven décède, il avait deux femmes. Il faut faire la mise avec une seule de ses femmes, un seul des frères avec une seule de ses femmes. Même principe avec les mariages midirabanan, pour le moment, évidence nette. C'est que donc s'il a deux frères, s'il avait deux femmes, et Rachel et Léa, qui étaient deux petites filles, ou deux sourdes, eh bien, quand il décède, en théorie, ces femmes-là, c'est des étrangères, il n'y a pas de misa de hiboum. Rachamim dit, puisque tu t'es marié midirabanan, ton frère il va faire une misa de hiboum, des rabanan, il va se marier avec une des sœurs, une des femmes, il prend une en femme, et l'autre, elle est devenue permise. Ramim ont instauré le même système qu'à Minatora. Ils l'ont instauré dans le mariage Midrabanan. Pour le moment, tout est très clair. On a déjà 75% de la Mishnah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lire et traduire la Mishnah, 75%, et qu'on arrive après à la dernière petite partie, je vous explique la problématique. Je commence à traduire. Misha Yanasu Ilechte Yutomot Ktanot. Il y avait quelqu'un qui était marié à deux orphelines petites. Donc ils n'avaient pas de père. Reuven était marié à Léa. Et Rachel et Léa, qui n'étaient pas deux sœurs, deux étrangères, deux femmes, qui étaient petites. Vamet. Et il décède Reuven sans enfant. Eh bien, ba Yavam à la Rishona. Si le Yavam va sur la première, il va partir avec Rachel. Il va prendre Rachel en Yiboum. Et après il se dit, ah, mais finalement, je vais aussi prendre la deuxième. Mais Chazar ou ba à la Shnia, après il décide de partir aussi avec Léa. Eh bien, ou encore. Lui, il a pris Rachel, et son frère, Osheba, arrive à la Shnia. Son frère, il va partir avec Léa, la petite, la deuxième. Eh bien, qu'il sache que l'Opasa la Tarishona, ils n'auront pas atteint la première, ils n'auront pas invalidé le premier hiboum. Le premier hiboum qu'ils ont fait, il sera en bonne et due forme, ils pourront le maintenir. Et le deuxième, il ne pourra pas rester marié avec la deuxième, mais sans entraver au mariage, au premier mariage qui a été fait. D'accord? On a besoin de ça pour la... Et aussi, de même aussi, si elle était mariée avec deux sourdes. Fin de 50% pour le moment. Mais finalement, je vais faire ma pause ici, déjà, pour l'introduire.
On se retrouve avec deux sortes de femmes qui sont mariées à Midera Banane. La petite fille et la sourde. De prime abord, on aurait dit que le même principe qu'il y a avec deux femmes petites ou avec deux femmes sourdes, c'est la même chose s'il y a aussi une sourde et une petite, ou une petite et une sourde, ça revient au même. En théorie, on aurait dû dire, ben, c'est Midera Banane, t'es marié Midera Banane. Quand tu vas faire... Ouais, quelqu'un il s'est marié avec une petite fille et avec une sourde. Et Reuven, et il décède. Alors maintenant, en théorie, on aurait dit, de prime abord, ben, même système. Le premier frère qui va en prendre une, il fait la mitzvah Midera Banane, le hibou Midera Banane, et il permet grâce à ça la deuxième sœur, la deuxième femme, et si son frère il décide de la prendre, et ben, ça ne servira à rien ce qu'elle a fait. C'est pas exact. C'est pas la même chose, parce qu'en fait, en réalité, Chachamim ont donné des coefficients à ces mariages Midera Banane. Ils n'ont pas les mêmes systèmes. Chachamim, ils ont instauré que le mariage de la petite sœur a un statut de safek. Peut-être oui, peut-être non. Soit oui à 100%, soit non à 0%. Alors que le mariage avec la sourde, c'est un mariage oui à 70%. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si je me marie maintenant avec la petite fille et avec la sourde, j'ai deux femmes, Midera Banane, mais elles n'ont pas la même valeur. Il y en a une qui est mariée soit 100%, soit rien du tout, et l'autre qui est mariée à 60%, certainement. Et là, c'est la zut. En deux mots. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'en fait, comme ce qu'on avait appris d'ailleurs dans la Mishnah précédente, déjà, on l'avait déjà vu, on n'avait pas tellement rallongé sur le sujet, maintenant on va le rallonger plus, on va rallonger plus, c'est que, en fait, tout d'abord, lorsque ces deux femmes maintenant, Rachel et Léa, elles vont tomber devant Shimon, et Shimon va devoir les libérer, alors là, réalisez bien, bien la problématique. Si elles étaient que toutes les deux Midera Banane au même niveau, tu fais la mitzvah avec une, tu libères l'autre. Tu fais la mitzvah avec l'autre, tu libères la première. Mais comme elles n'ont pas le même niveau, alors là, c'est très embêtant. Parce que la petite, elle a un statut de peut-être oui ou peut-être non. Peut-être oui, 100%, peut-être non, 100%. Donc en théorie, si je fais la chalitza, on va commencer. Si je fais la chalitza à la petite, ouais, ben, je dois quand même faire la chalitza à la sourde. Pourquoi? Parce que comme on a dit, la petite, peut-être oui, peut-être non. Et si elle n'est pas mariée, il s'avère que maintenant la seule vraie femme, c'est la sourde. Et il faut la libérer, la sourde. Tu vas me dire quoi, fait la khalitza à la sourde? D'abord, premièrement, on ne peut même pas faire une khalitza à une sourde. Elle n'entend pas. Il faut lui dire des mots et elle n'entend pas, donc on ne peut pas lui faire la khalitza. Même si je fais le hiboum, si je fais le hiboum à la sourde, alors même ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que lorsque je vais faire le hiboum, elle va devenir ma femme. Mais elle va devenir ma femme qu'à 60%. Or, la petite, dans l'éventualité qu'elle est mariée, elle est mariée à 100%. Elle a encore besoin que je lui fasse une mitzvah avec elle. Vous comprenez la problématique déjà, ça commence? Imaginez alors maintenant, hein, la Michelle n'en a pas parlé ici comme ça, mais on avait vu que... c'est-à-dire, imaginez maintenant que j'ai la sourde et la petite, et que je décide de faire le hiboum à la sourde. Le problème, elle est que la sourde, elle n'est même que à 60%. Bon, 70%, on a dit. Mais pas complètement. Or, la petite, peut-être qu'elle était supramariée. Soit oui, soit tout oui, soit tout non. Et dans l'éventualité que tout oui, alors l'autre qui n'est pas bien mariée, elle ne peut pas la quitter de la mitzvah. Donc, je dois quand même faire la chalitza avec la plus mariée. Or, si j'allais faire la chalitza avec la plus mariée, ou je vais partir faire la chalitza avec celle qui est plus mariée. Dans l'éventualité qu'elle était réellement plus mariée, il s'avère que quand je vais le faire à la chalitza, je vais invalider le mariage de l'autre. Vous comprenez la problématique? Nous aurons l'occasion de la développer beaucoup plus tard. D'abord, pour le moment, je veux juste qu'on se familiarise avec la notion. Selon ce principe, maintenant, la Mishnah mentionne Ktana Vechereshet. Je commence à traduire. Si elle est une petite fille et une sourde, c'était les deux femmes. Et on commence avec Bayavam à la Ktana. Tout d'abord, il y a son premier frère qui décide de partir avec la Ktana. Donc comme on a dit avec la Ktana, il a l'avantage que c'est soit 100%, soit 0%. Et après, une fois qu'il a déjà marié la petite, finalement, Vechazar ou Baal Acherechet, il décide aussi de marier la deuxième, la sourde. Lui ou bien Osheba Achiv à l'Acherechet. Son frère va partir avec l'Acherechet. Mais dans cette situation, l'Opassa la Ktana, il n'invalidera pas la petite. Pourquoi? Parce qu'on va dire de deux choses l'une. Soit la petite, elle n'a jamais été mariée avec le premier. Parce que, comme on dit, c'est soit oui, soit non. Dans l'éventualité que non, il s'avère donc qu'elle n'était pas mariée avec son frère. Donc, Shimon a le droit de se marier avec cette petite fille.
Et la Khereshet, maintenant qu'il a eu un. Il est aussi parti avec elle, elle est en vrai problème, elle est bloquée pour la vie, la pauvre. D'accord? Mais en tout cas, la petite, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est la petite. Est-ce qu'il a invalidé la petite? La petite, il l'a pas invalidée. Parce que de deux choses l'une. Soit elle n'était pas du tout Skoukaléiboum, donc c'est une étrangère, je peux me marier avec elle. Soit elle était Skoukaléiboum, dans ce cas-là, elle est à 100%. Donc après, quand il est parti, celui qui est parti ensuite avec la deuxième, il n'a rien entravé dans le mariage de la petite. Donc, Réhouven pourra rester marié avec la petite. Maintenant, par rapport à la deuxième, la sourde, alors là, la pauvre, elle est très embêtée, elle est en galère. Parce que Khalitsa, on ne peut pas lui faire. Lui donner un guet, on ne peut pas le faire non plus. Et rester marié avec elle, on ne peut pas non plus rester marié avec elle. Pourquoi on ne peut pas rester marié avec elle? C'est très simple. Parce qu'il est possible qu'en réalité, dans la maturité, que la petite, elle était la vraie femme du frère, elle était mariée à 100%, donc la sourde, elle a déjà été permise. Si elle était permise, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Et si elle n'a pas été permise, donc maintenant, c'est elle la femme. Mais, donc elle n'entrave pas à la première, mais elle reste bloquée maintenant, comme ça. Et là, c'est la situation beaucoup plus complexe. C'est Bayavam à la Khereshet. Il y a eu un Yavam qui a commencé à faire le Yiboum à la Khereshet, à la sourde. Et après, Vechazar ou Baalaktana, après, il a décidé aussi de prendre la petite. Ou même, Oshebaalaktana, ou bien son frère, il a décidé de faire le Yiboum à la petite. Eh bien, pas ça, la Khereshet. Il a invalidé la Khereshet. Alors là, on explique un petit peu mieux, parce que là, c'est plus concret, c'est plus la théorie. C'est que Shimon, il commence à se marier avec la sourde. La sourde, elle était certainement, mais à 70%. Donc maintenant, il a fait le hiboum. Il s'avère que maintenant, il y a une autre co-épouse qui attend qu'on lui fasse quelque chose. On ne pourra pas lui faire le hiboum. Alors, ouais. On attend. Elle, probablement, elle ne peut pas s'acquitter avec le hiboum de la Khereshet. Parce que dans l'éventualité qu'elle est mariée, elle est bien plus fortement mariée. Donc, il faut lui faire quelque chose. Le frère qui a fait le hiboum, lui, il peut en théorie. Alors, imaginez la scène. La Mishnah n'en a pas parlé. Moi, je vous rentre dedans. Imaginez que maintenant, il va attendre que la petite va grandir. Et la petite, quand elle va grandir, elle ne va pas faire le mioun. Si elle va faire le mioun, il va devoir lui faire la khalissa. Quand il va faire la khalissa, il va invalider la petite sœur. Il va invalider la sourde. Parce qu'elle, dans l'éventualité qu'elle est mariée, elle est mariée à 100%. Et si elle est à 100%, alors tout ce qu'on va faire sur elle, ça va entraver dans le mariage la sourde. La Mishnah n'a pas présenté ce cas-là. Elle a présenté un autre cas. Qu'en fait, que. C'est son frère, par exemple, on va dire, son frère qui est parti finalement faire un deuxième hiboum avec la petite, puisqu'elle est à 100%, dans l'éventualité qu'elle est à 100%, elle va écraser la première. Donc la première, maintenant, il s'avère que Shimon, il commence à faire le hiboum de la 70. Après, Lévi, il arrive, il fait le hiboum dans l'éventualité que c'est 100%. Il s'avère que Lévi, c'est lui qui emporte tout chez lui, parce qu'il fait la vraie mitzvah. Et l'autre, il s'avère que maintenant, son mariage. Et son hiboum, il n'était pas super, pas fameux. Et maintenant, finalement, on a fait le hiboum avec une vraie femme. C'est possible qu'on a fait le hiboum avec une vraie femme. Et dans ce cas-là, la Khereshet, la sourde, il s'avère que maintenant, on ne pouvait plus le marier, parce qu'on ne peut construire qu'une seule maison, et pas deux. En l'occurrence, il ne pourra plus avoir de rapport avec la Khereshet. La grosse galère, c'est qu'il ne pourra rien faire avec elle. Il ne pourra même pas. Je crois qu'il ne pourra pas lui donner un guet. Ah, peut-être que ça peut marcher de lui donner un guet. Donner un guet à une khereshet, c'est une marloquette dans les gemaras, ça dépend si. Il y a des ktanot qu'on peut leur donner un guet. Non, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, pour notre cas, en tout cas, il ne pourra pas rester marié avec la khereshet. Ça, il ne pourra pas rester vivre avec elle, étant donné que le frère, donc, qui a fait le hiboum avec l'autre, lui, il a finalement, c'est lui qui a construit la maison de son frère, parce que dans l'éventualité que la petite, elle est mariée, elle est à 100%. Et si elle est à 100%, donc c'est lui qui a construit la maison du frère défunt. Dans ce cas-là, lui, il n'a plus le droit de prendre une autre femme. D'accord? J'espère que c'était clair. Et comme je vous ai dit, prochaine Mishnah, les deux prochaines Mishnayot, ce sera une répétition de ce même principe sous deux aspects. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.